Ok, on va recommencer, je vais faire plus court alors. Je m'appelle Théo Grosjean, je suis auteur de bande dessinée. J'ai fait deux séries qui parlent d'anxiété. C'est le seul sujet récurrent de mes BD. Il y a plusieurs personnages d'Eliot au collège qui sont inspirés de personnages réels. Celui qui est le plus évident, c'est Harry, qui en fait était mon meilleur ami en 6e et 5e. Il partage les mêmes origines que Harry, c'est-à-dire qu'il est Sri Lankais aussi. Le personnage de la maman de Elliot est très inspiré de la relation que j'avais avec ma mère à ce moment-là. Il y a aussi la prof de SVT qui ressemble à s'y méprendre à ma prof de SVT. Donc voilà, c'est pas un portrait très flatteur, mais... Ben, par exemple, Harry, je pense que c'est mon côté un petit peu bizarre, entre guillemets. Harry, c'est un personnage assez bizarre, qui a toujours des idées bizarres. Bastien, je pense que c'est, comme tout le monde, j'ai un petit côté aussi un petit peu médisant, voilà, des petits côtés un peu méchants, on a tous en nous, je pense, si on est honnête. Églantine, elle est très mélancolique, et ça, c'est une partie de moi qui est très importante, c'est le personnage, je pense, qui me ressemble le plus avec Elliot. Mon pire souvenir, c'est probablement un souvenir que j'ai raconté dans Elliot, c'était la piscine. Je m'étais rendu compte que j'étais le seul garçon de la classe à porter un slip de bain, que tous les autres portaient des boxeurs. Les enfants se moquaient de moi. Et en souvenir positif, il y a sûrement les amitiés que j'avais, notamment l'amitié avec Harry. En fait, on écrivait des romans tous les deux. Ça s'appelait en gros Elliot et Harry. À l'école des sorciers, c'était une espèce de relecture d'Harry Potter, mais avec nous deux en personnages principaux. On donnait notre roman à la prof de français qui nous corrigeait nos fautes. Et c'était un travail assez ardu, on va dire, parce qu'il y avait à peu près 3 ou 4 fautes par phrase. Donc voilà, c'était assez violent. Mais je pense qu'il faut arriver à être, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais à être un petit peu soi-même quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas essayer d'être différent de ce qu'on est. Bah c'est plus simple à gérer en fait d'être soi-même. C'est plus facile que d'être quelqu'un d'autre. Donc voilà. Je vais revivre le traumatisme du collège, de rater tous mes lancers de papier dans la corbeille. Voilà. Yes. Bisous. Luge. Dragon. Jeu vidéo. Frites. Quelque chose qui se passe dans un jeu vidéo. Elliot a un alter ego vidéoludique. Il y a un truc qui se passe derrière lui, qui l'effraie énormément. Il a plus qu'une vie, donc c'est aussi une raison pour laquelle il est très stressé. Et donc au loin, un dragon. Prêt à faire un petit bisou à notre cher Elliot. Voilà, il est en train de manger des frites belles. Les meilleures, évidemment. Voilà. Waouh! Un conseil par jour pour être moins stressé. L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, tu as à le permettre. Antoine de Saint-Exupéry. Une tasse avec le fameux tableau Le Cri de Munch. C'est un tableau qui représente une personne qui fait une crise d'angoisse d'ailleurs. Je vais boire mon café qui me fait des palpitations et qui me fait stresser tous les matins avec. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? C'est un petit punching ball. Ça, c'est très bon ça. C'est une trousse inspirée des papiers bulles, je pense. Ça va m'accompagner. En mode no stress. Et pour conclure, je vais vous lire un dernier conseil. Le malheur peut être un pont vers le bonheur. Ouais, c'est pas faux.